La méditation de ce 2 août est intitulée « Tout ce que nous possédons vient de Dieu ». Qui suis-je et qui est mon peuple que nous soyons capables de faire de pareilles offrandes volontaires? Car tout vient de toi et c'est de ta main que vient ce que nous te donnons. 1 Chronique 29-14. Les habitants de la terre devraient s'unir aux anges pour rendre toute louange et gloire au Créateur. Aucun homme n'a la moindre raison de se vanter ni de s'exalter. Dieu agit constamment pour parer aux déficiences humaines. Même la repentance est suscitée par la grâce. Le cœur naturel ne ressent pas le besoin de repentance. Les larmes qui coulent des yeux de l'homme attristé par son péché ou par sympathie avec les autres pécheurs sont les larmes de Dieu. La vie nouvelle n'est que l'utilisation optimale de la vie qui a été rachetée par le sacrifice de son Fils Jésus. Nous ne devons nous attribuer aucun mérite pour ce que nous accomplissons. La foi est également un don de Dieu. Par la foi, la compréhension de l'homme accepte les paroles de Dieu et consacre son cœur à son service. À qui appartient la compréhension de l'homme sinon à Dieu? À qui appartient le cœur de l'homme sinon à Dieu? Avoir la foi, c'est rendre à Dieu l'intelligence et l'énergie que nous recevons de lui. Ceux qui vivent la foi n'ont donc eux-mêmes aucun mérite. Ceux qui croient fermement pouvoir se confier totalement dans le Père céleste, ceux qui par la foi atteignent la réalité divine, ne peuvent que reconnaître devant leur Créateur que tout vient de toi et c'est de ta main que vient ce que nous te donnons. Les talents que nous recevons du ciel ne doivent pas être utilisés pour des objectifs égoïstes. Chaque énergie, chaque don est un talent qui doit être utilisé pour le service de Dieu et pour sa gloire. Que personne ne cherche à s'exalter en parlant de ses actions, en vantant ses capacités, en étalant ses connaissances et en cultivant l'autosatisfaction. Le Christ ne se montrait jamais présomptueux ni fier de lui. Celui à qui Dieu a confié des talents particuliers devrait rendre au Seigneur ce qu'il a reçu, en faisant généreusement bénéficier les autres de ses bénédictions. Dieu sera ainsi honoré et glorifié. Amen.